C'est parti pour Miss Côte d'Ivoire 2023. Les inscriptions pour prendre part au concours de beauté féminine nationale sont ouvertes à compter de ce vendredi 9 février. Le top départ a été donné au cours d'une cérémonie de lancement par le président du comité, Victor Yapobi. Une présélection aux États-Unis sera l'innovation de cette édition 2023, selon les organisateurs. Pour en savoir plus sur Miss Côte d'Ivoire 2023, suivez ce compte-rendu de Diane Kablancan et Ezekiel Siri. Les présélections vont débuter le 25 février par l'étape de la région du Gbeke. Après les présélections sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger, avec notamment l'étape de Washington, une première, la grande finale est prévue pour le 1er juillet 2023. Déjà, les filles désireuses de prendre part au concours peuvent s'inscrire si elles respectent les conditions du comité d'organisation. Pour cette année, nous allons garder le même schéma que l'année dernière. C'est-à-dire que pour la finale, le 1er juillet, nous aurons trois élus, la Miss et ses deux dauphines. L'innovation particulière que nous allons mettre cette année en place, elle concerne la finale. Ce sera plus un show télévisé qu'un spectacle en lui-même. C'est-à-dire que nous allons privilégier les téléspectateurs, ceux qui sont derrière leur petit écran, par rapport à ceux qui seront dans la salle. Parce qu'on s'est rendu compte que la salle du palais des congrès de l'hôtel ne va nous faire que 1500 personnes, alors que le public qui nous, ou les téléspectateurs qui regardent cette émission sont des millions de téléspectateurs à travers le monde. Donc nous allons faire comme se font les grands spectacles. Vraiment, nous allons privilégier les téléspectateurs. Je pense que c'est l'une des grosses innovations de cette année. Rôle et initiative de la jeunesse pour une réduction des inégalités sociales. C'est autour de ce thème que se tiendra l'édition 2023 du concours Miss Côte d'Ivoire. Selon le comité d'organisation, ce thème s'inscrit dans la vision du président de la République de faire de 2023 l'année de la jeunesse. Le thème de cette année, c'est le rôle de la jeunesse pour la réduction des inégalités. Je pense que c'est un thème assez intéressant, surtout que c'est l'année de la jeunesse. Et je pense que cette jeunesse-là a beaucoup à jouer pour le développement de notre pays. Mon bilan, pour dire vrai, je suis un peu triste de devoir rendre ma couronne, mais comme je l'ai dit, c'est une tradition. Il faut bien que je passe le flambeau à la nouvelle reine de beauté. Alors, mon mandat s'est très bien passé. Je tiens à dire merci au comité de m'avoir permis de réaliser mon rêve de devenir Miss Ambassadrice de la beauté ivoirienne. Âgée de 23 ans, Marlène Kouassi Kani a été élue reine de beauté ivoirienne en 2022. Son succès sera connu au soir du 1er juillet 2023.